Polka. Chaque photo a son histoire. Et comme tous les vendredis, on accueille l'équipe de Polka Magazine. Aujourd'hui, c'est avec vous, Dimitri Beck, qu'on évoque cette photo qui fait la une du magazine Elle aujourd'hui. Un visage, un regard surtout. Avec un cadrage serré, le regard est doux. Elle a les yeux bleus, le regard est hypnotique. Et il est d'autant plus fort, ce regard, que ce visage complet est voilé, masqué, on pourrait dire. Il est masqué par un voile qui est noir. Donc l'intensité du regard bleu est d'autant plus forte dans cette ambiance sombre. Les cheveux du visage sont barrés par le voile qui recouvre donc entièrement ce visage qui semble étouffé. Et ce portrait d'une femme afghane a été réalisé par Philippe de Poulpiquet, grand reporter et photographe qui travaille habituellement pour Le Parisien aujourd'hui et qui est parti en reportage en Afghanistan donc ces dernières semaines pour le magazine Elle. Et cette femme, son regard, eh bien, il a un prénom, il s'appelle Malalai. Cette jeune femme a 23 ans. Et à l'intérieur, on retrouve Malalai, ses sœurs et ses amis qui posent à visage découvert, cette fois-ci, pour être la voix des femmes. Alors le titre de ce numéro est « Aux côtés des femmes afghanes, résister ». Les femmes ne sont pas faites dans la société que veulent les talibans. C'est un des témoignages que l'on retrouve dans ce reportage et ce texte réalisé par Ava Diamchidi. Et voilà, les talibans, au retour au pouvoir, cherchent à effacer ces femmes de la société. On l'a bien vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, des vidéos qui déjà des hommes recouvraient les visages des femmes sur les devantures des salons de beauté. Déjà là, ça s'effaçait tout de suite, quelques heures après l'arrivée des talibans de Kaboul. Eh bien, on le retrouve là aussi en une donc de ce journal. Et voilà, ça nous fait référence aussi à cette couverture qui était très forte et historique du magazine Elle, qui date d'il y a 20 ans. Donc voilà, 20 ans au moment juste avant le départ des talibans de Kaboul, l'arrivée des Américains. Et bien là, ils étaient là. Alors là, cette femme qui était en couverture à l'époque, il y a 20 ans, était recouverte d'une burqa, donc entièrement voilée de la tête aux pieds, avec juste un enfant à ses côtés qu'elle tenait dans ses bras. Refusons la différence, c'était ce que titrait à l'époque Elle. 20 ans, c'était il y a 20 ans et c'est le présent aujourd'hui avec les talibans. Et on l'a pu voir, voilà, cette réalité, que cette peur de toutes les jeunes femmes afghanes qui sont certaines devenues journalistes, avocates, qui ont connu, qui peuvent s'éduquer. Aujourd'hui, tout semble s'arrêter. Tous ces efforts, ces droits gagnés pendant 20 ans semblent s'être écroulés comme un château de cartes. Et pourtant, elles veulent résister. Et c'est ce qu'elles disent dans Elle. La photo de la semaine, selon Polka Magazine et ce regard sur l'actualité. À noter qu'avec Polka, vous co-organisez une conférence sur l'Afghanistan. Ce sera jeudi prochain à la Société des Explorateurs Français. C'est boulevard Saint-Germain, Paris. Polka. Chaque photo a son histoire.